C'est un projet de loi qui fait polémique, le projet de loi sur le renseignement. Il doit être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et on en parle avec votre invité. Nous sommes avec le député de la Vendée littorale ce matin, Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. On rappelle en quelques mots le principe de ce projet de loi, c'est à avoir accès en gros plus facilement aux infos concernant une personne grâce à des écoutes qui peuvent être réalisées de manière plus facile, mais aussi avoir accès à ces données internet. Le gouvernement dit que c'est surtout pour lutter contre le terrorisme. Vous, est-ce que vous allez voter ce projet de loi ? Eh bien non, je ne voterai pas ce projet de loi cet après-midi, je voterai contre même, parce que cette loi n'est pas une loi contre le terrorisme, c'est une loi qui va légaliser la surveillance de masse. Lutter contre le terrorisme, vous savez, tous les députés de droite, de gauche, quelles que soient les sensibilités, sont évidemment d'accord et veulent encourager le gouvernement à le faire. Nous sommes en guerre contre les terroristes islamiques, mais pas avec cette loi. Cette loi non seulement renforce les moyens des services de renseignement en légalisant des pratiques qui étaient déjà faites, mais elle va bien au-delà. Au lieu de cibler directement la menace terroriste islamiste ou la menace terroriste, elle cible aussi tous les Français. C'est-à-dire que c'est pas une pince pour arracher une mauvaise herbe terroriste, c'est un râteau qui ramasse avec les terroristes tous les Français. Oui, c'est vraiment liberticide, c'est vraiment un flicage des citoyens, comme disent certains. Non, c'est-à-dire que faut pas employer des mots qui sont excessifs, mais les systèmes techniques que les services de renseignement pourront utiliser feront que des Français seront surveillés inutilement et sans contrôle judiciaire, sans contrôle du juge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette loi n'est pas constitutionnelle et sera sans doute censurée par le Conseil constitutionnel, soit parce que le président l'aura demandé. Alors on a un président de la République quand même qui, avant même que la loi soit votée, dit que effectivement il la soumettra au Conseil constitutionnel. Mais on a aussi des parlementaires dont je fais partie qui saisiront le Conseil constitutionnel parce que cette loi n'est pas constitutionnelle. Il y a aussi un dernier point, c'est que les atteintes, les raisons pour lesquelles les écoutes de masse pourront être organisées dépassent largement le cadre du terrorisme. Par exemple, l'État, le gouvernement pourra écouter, surveiller pour prévenir les violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, c'est-à-dire prévenir de grandes manifestations, par exemple. Les surveillances pourront aussi être organisées pour prévenir les atteintes à la forme républicaine de nos institutions. Là, c'est la porte ouverte à des écoutes qui sont purement politiques. Et donc, moi, je suis très inquiet de cette loi qui ne vise pas seulement la cible terroriste, mais qui emploie des méthodes dignes d'un État soviétique totalitaire. On voit quand même que, pourtant, il y a des députés aussi bien de gauche que de droite, comme Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Éric Ciotti, on dit qu'ils voteraient cette loi. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et de leur répondre ? Il y a aussi des députés de tous les camps qui ne voteront pas cette loi. Imaginez que la droite ait eu l'idée, ne serait-ce que l'idée, de proposer un texte de loi comme celui-ci, ne serait-ce que un quart de ce texte de projet de loi, on aurait entendu la gauche hurler, manifester, on aurait eu des manifestations antifascistes dans la rue. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder, cibler effectivement la menace terroriste, mais ne pas mettre les Français dans le panier des terroristes. Mais donc, comment cibler la menace terroriste ? C'est ça la question. C'est-à-dire que nos services de renseignement, vous savez, sont efficaces en France, sont même reconnus pour être parmi les plus efficaces du monde, et ils sont efficaces par les qualités humaines. Alors évidemment, il faut un cadre légal aux interventions des services de renseignement, mais plutôt que le soupçon de masse, moi je préfère l'action ciblée contre les terroristes avec le renforcement de moyens humains. Vous savez, les 70 000 postes de fonctionnaires créés depuis le début du mandat de François Hollande, on en aurait eu quelques centaines supplémentaires pour les services de renseignement, et on autoriserait par exemple ce que Madame Taubira ne veut pas. On autoriserait par exemple la surveillance des islamistes radicaux dans les prisons, ce que Madame Taubira ne veut pas faire. Elle a été mise en minorité à l'Assemblée nationale, on verra au Sénat ce que ça va donner. Eh bien, on se donnerait plus de moyens, plus de chances de lutter efficacement contre le terrorisme. Ces mesures de restriction des libertés individuelles, là, qui sont prévues dans le projet de loi, ne sont pas dignes d'un État républicain moderne comme la France aujourd'hui. C'est des mesures qui sont dignes d'un État d'urgence, vous voyez. Mais alors à ce moment-là, il faut que François Hollande déclare l'état d'urgence. On ne peut pas, avec cette loi, avoir un régime de droit commun qui soit aussi attentatoire aux libertés individuelles, sans même que le juge judiciaire puisse contrôler ce que la loi, ce que la Constitution oblige. La Constitution oblige que ce soit le juge qui contrôle. Or là,
personne ne contrôle. Il y a une commission qui émet un avis, mais si le gouvernement veut passer outre, il passe outre. Alors tant que le gouvernement est animé de bonnes intentions, ce qui semble être le cas, je ne fais pas ce procès-là au gouvernement en place, ça va. Mais le jour où le gouvernement a d'autres tentatives, d'autres volontés, alors là, c'est la porte ouverte à tous les abus. Merci beaucoup Yannick Moreau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes contre ce projet de loi sur le renseignement, que vous allez voter contre donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et que bien sûr, ce n'est pas fini, hein, parce que ça va passer ensuite devant le Sénat, et vous le disiez, le Conseil constitutionnel sera normalement donc saisi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, au revoir.